trickery. This is going down in history. If you wanna be a villain number one, you have to chase a superhero on the run. But first you have to come up with a master plot. The only problem there, you have to think a lot. Just hold the hooves and sneak around. Be careful not to make a sound. We're number one. Hey! C'est bonjour là. Vous avez suffisamment dit bonjour. Mmh. Quelqu'un qui a l'habitude de dire bonjour. Vous êtes le roi de la forêt. Oui. Oui.
Merde, ça c'est des asticots. Bouge, bouge. Tiens, monsieur Xio, je sais pas si t'as vu, d'ailleurs, t'es avec la tenue de perroquet clinquant là, et t'en sais pas quoi ou pas d'ailleurs. Non, je suis avec ma tenue de pirate de légende. Ouais. Parce qu'il y a les crochets, jambes de bois et compagnie des. Ouais, j'ai vu le. Mais. Voilà, mec. Le mais. Oh, peut-être que je prenne le retour. Ça peut être une solution. Ça peut être utile. Chibo. Un chibo. Aïe 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 aïe. Du coup, messieurs, enfin du coup, il est mis au courant et monsieur Tito aussi. Ah bon? Farming de l'ordre des âmes. Est-ce qu'il y a des Reapers? Non. Pas de Reapers. Alors regarde, là, c'est, tu vois, j'ai pris son boule comme ça, tu vois, j'ai pris sa belle boule et puis je l'ai secoué un peu, voilà, tu vois, et puis c'est très très sympathique, hein, voilà. Bref. Unim qui nous raconte ses amourettes d'un soir. Alors là, il y a énormément de choses. Mais le problème, c'est qu'on est loin. Bonjour. Bonjour. Dire bonjour à personne, c'est sympa aussi. On dit bonjour à Estelle et Léophal. Ah bon, il y a on Estelle dit bonjour et aux gens qui sont là. Voilà. Ah bon, il y a bonjour du monde. Les gens qui sont là. Oui, il y a du monde. Enfin, du monde. Il y a du monde. Moi, j'ai des asticots. Je crois que le bot a pas fait son boulot. C'est pour ça. Oh, quel fils de chien. Ah si, il a fait son boulot. Ah, quel fils de chien. Tu vois, regarde. Le mec, il est mauvaise langue. Ouais. Mauvaise langue. C'est quoi ça? Quête, bah voyage, des voyages, fables du fabuleux. Oui, parce que maintenant, comme il y a des checkpoints dans les fables, le truc à droite, c'est, enfin, le truc des fables, c'est les checkpoints, justement. Ah. Les fables que t'as pas fini. Ah. Par contre, je lag. J'ai deux voyages à Athéna. Alors. Destiné. J'allais prendre une quête quand même. À l'ordre des âmes. Un truc qui peut être intéressant, c'est de mettre le drapeau d'émissaire. Ah, mais c'est déjà fait. Oh, il l'a déjà fait, mais il a tout prévu. Bah oui, monsieur. Je suis pas un boulet comme exotite, moi. Théoriquement, je suis pas un boulet, je suis un calot. Un lémurien. Non, un calot. Les boulets c'est plus petit que les calots c'est plus grand que les boulets. Un calot tech? Non, ça c'est une race à part. Ouah le mec. J'ai posé un voyage, si vous voulez. 50 balles, je réponds oui. Je lag, je comprends pas pourquoi. Lag. Mais je lag vénère. Mais, ah ouais, à ce point-là. Mais du coup, je pense vraiment que c'est dû à ta carte, enfin je sais pas, à ton wifi parce que, ou ton ça Ethernet. Ça m'étonnerait quand même. Ça bah, m'a jamais moi, fait, ça l'a fait d'un moi je vois que ça. Hein. Regarde, non, demande à monsieur Bixio quand il... La merde. Parce qu'elle quand il chauffe ce connasse de box, ça se trouve c'est juste ça. Moi je me souviens d'un Addictio qui avait des problèmes de connexion à un moment. Ouais bah oui, c'était ma carte wifi avait... elle me lâchait. J'ai dû en prendre une autre. Ouais mais là c'est pas une carte wifi ici, c'est mon Ethernet qui c'est ma carte internet qui plante, c'est toute ma carte mère qu'il faut que je change. Qui dit changer de carte mère dit éventuellement changer de processeur. T'es pas obligé de changer de carte mère en fait, tu peux juste te racheter une carte réseau. Ouais, je la mets où la carte réseau? Ah, ouais, branché à côté, ouais. Non, mon PC il prend la poussière, faut que je le nettoie aussi, ça doit pas aider. Non. Je prends un petit voyage quand même au cas où, un ou deux. Moi je ne prends absolument rien.
puisque je ne suis pas monté. S'il te plaît, merci. Voilà, j'ai pris un voyage. Bonjour. 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 Est-ce que tu me vois laguer, Addiction? Non. Non. Non, j'ai pas, moi ça fait des trucs chelous. Je vais essayer un truc, ça va me déconnecter, vous inquiétez pas. Hop dans le gras. 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 Dans le gras. Hop dans le gras. Alors. Ça t'a pas d'écho. Ça m'a pas d'écho parce que j'ai pas déconnecté assez longtemps. J'ai toujours 83 de ping. Bon, on va essayer de faire avec, mais ça m'étonne que j'ai autant de ping quoi. Dayonet. Partez sans moi, je vais. Tu tailles une tranche. Ouais, dans son gras. Une tranche de gras. Une tranche de gras du lim. T'as voté pour le voyage, Exo? Non. Va voter pour le voyage, s'il te plaît. Tu permets, je bois de l'eau. Non, je permets pas. Water. Soit de l'eau, soit du grog. Tu préfères quoi? Du grog. Bah j'en ai pas. Snake Island. Oh, pas Snake Island. Putain, en plus ça perpète Snake Island. Bah oui, c'est pour ça. Chapitre 1. Putain. C'est au sud-est. Bon oh bah go monsieur Tit hein. Tribord tout. Sinon comment ça va dans le chat un peu dans le chat tu peux dire là où il y a personne. Un peu mort ouais. Faut ramener des gens hein. Là Yone. Y'a personne là ce soir, c'est quoi ce bordel? Ah merde, sud-est! Tonto, Billy. C'est presque étonnant qu'il y ait personne ce soir. Grave. C'est pas le délire, ils sont tous donné le mot. Ouais, je sais pas, ils sont tous. C'est la fin du mois, ils sont tous allés se coucher. De ouf. Alors que lundi, y'a personne qui bosse. Grave. Enfin. Y'a personne qui bosse, c'est un bien grand mot! Hein? Ouais, mais c'est un week-end de 3 jours. Dayone. Waouh! On va très vite! Waouh! Échec de connexion serveur, mais what the. Eh, depuis la mise à jour du jeu, ça me fait de la merde! Moi c'est au début de la mise à jour Sea of Thief me faisait écran noir. Dès que je retournais sur mon deuxième écran, le jeu se mettait. Dès que je retournais sur l'écran du jeu, il me faisait écran noir. Dès que je retournais sur le deuxième écran, il redevenait normal. Je retournais dessus, il redevenait noir. Comme ça jusqu'à ce que je lance une game. Et ça a été la merde pour lancer une game. Mais de toute façon, Ulim, t'as des problèmes de connexion vu ton stream DBD d'hier soir. Oui, même tout à l'heure, quand tu faisais ta partage, ça buguait à mort. Faut que je fasse la poussière. Faut que t'ailles à droite, un peu exo, un peu à tribord. Combien d'angles Faut que je fasse la poussière dans ce PC de merde. Il est blindé, quoi. Tout à l'heure, je vais l'éteindre, je vais passer un coup d'aspi, ça va réveiller les voisins, je m'en bats les couilles. Il y a deux brigantins en face là-bas. Ouais. Et du coup, c'est pas limité à deux bateaux identiques par serveur, du coup. Salut, Fake. Il faut que tu tournes à bâbord maintenant.
Du coup, ouais, là-bas au fond, il y a deux brigantins. Deux brigantines. Heureusement que je suis là pour m'occuper des voiles. Ouais. Ouais, moi je vérifie. De toute façon, je fais tout sur ce navire. Bah, cette fois, c'est toi le capitaine. À part, hein. C'est moi le capitaine ? Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui as pris le bateau. Ah ouais ! Je vais zapper. Oula, what the fuck. Snake Island, il me semble que c'est l'île un peu à gauche là. Dire ça, on peut tout faire dans ce bateau. Oui, c'est ça. Ah, bah ça chargeait plus vite pour le coup. Là. La direction avec l'équipage légendaire du Grand Dog. Mmh. Et pourquoi on a déjà deux bouteilles, deux cartes de bouteilles? J'en ai trouvé. Mais. Parce que Exo, quand il spam les coffres, il prend même les quêtes. Et alors, j'ai le droit de prendre des quêtes si je veux prendre des quêtes? Non, tu me saoules. On va pas les faire, donc ça sert à rien. J'ai le droit de prendre des quêtes, on sait jamais. Alors on a un peu trop tourné là, non? Ouais. Un peu. Ouais. Putain, mais ils sont tous ici les joueurs ou quoi? C'est tout droit. Derrière, il y a deux brigantins, c'est deux joueurs. Et pile en face, je crois qu'il y a un galion à l'avant-poste. Eh ben putain, con. Remarque. T'as réveillé un mégalodon. Mégalodon. C'est un violet, je crois. Ouais. Ouais, la vigie. Quoi? Descendez, j'ai à vous parler. Comment je fais pour descendre? Ah, tu sautes? Mais je vais me briser les os. C'est où Snake Island? C'est plus loin. C'est à droite là? Non, c'est plus loin. C'est pas l'île à droite, t'es sûr? Non, c'est plus loin. Là, on est sur Chicken Island. C'est... Enfin, ah oui, c'est en effet. Faut que t'ailles à l'est. C'est lui qui est là-bas. Ah ouais, bah j'étais dans la bonne direction avant. Qu'est-ce que... Il y a des bobs. D'accord. Il y a des bobs. C'est pas grave. Le mec, on dirait un pouic-pouic que tu secoues au niveau de... Non mais mec, c'est la scène la plus ridicule du monde. Je l'ai vu charger tout droit. Il a... Mais tu l'as vu, mais il a disparu. Il est partu. Malheureusement pour toi, on le retrouva plus. Dans son cul. Dayonu. Ningelun Dayu. À un moment tu vas plus pouvoir reculer. Lâchez l'ancre. Oh, il y a une chaloupe. Comme ça. À droite. Ah ouais. Mais y'a pas de harpon, c'est nul. Raté. Je me suis foiré comme un bleu. Un de règle. Et donc, harponne-moi, grand fou. Et le coffre est vide. Ouais, puis non. Ah, j'aime me faire harponner, fion. Vas-y, tu peux le faire lui. Ouk, maintenant. Oh bah vous démerdez. Yes. Hein. Oh putain, on peut pas harponner là. Oh, ben non. Je savais pas. Hein. Mais moi je le savais. Oh putain, on va voir sa tête, mais on l'a vu sa tête. Mais qu'est-ce que... Mais il y a une autre chaloupe là-bas.
dit quoi? Alain Harpon. What the fuck? Bah... Bon, bah on va pas se poser de questions. Moi je suis là pour péter la gueule au squelette. Yo-ho-ho. Je crois qu'Exo les a trouvés. De quoi, les squelettes? Ouais. Tu veux peut-être de l'aide, Exo? Moi, de toute façon, je partais chercher la chaloupe. Alors, où est-ce qu'elle est, cette chaloupe? Il y a plein de petits cochons. C'est toi le petit cochon. Théoriquement, ouais. À mort. Je suis sûr qu'il y avait une chaloupe avec un harpon. C'est quoi ce bruit? On voit tellement rien. Aïe! J'aurais bien arrêté de laguer, ça pourrait être pas mal. J'arrive pas à faire le trois coups. Carté. Je te trouve pas ce chalou. Par contre, on se fait tirer dessus ou c'est moi? Je sais pas, je suis pas là. Non, y a un navire qui arrive et c'est l'île qui tire sur le navire de l'autre côté, je crois. Putain, mais elle est où cette chaloupe? Non, y a une bataille, y'a deux navires. Y'a deux navires qui se tirent dessus. Ouais, mais ils peuvent pas aller s'emmerder ailleurs. Bon bah écoute, je reviens sur le bateau et je vais voir la chaloupe, où est-ce qu'elle était. Mais je lag, c'est injouable. Comment ça se fait? Et mon ping qui fait que monter, hein, il descend pas. What the fuck? C'est bizarre. Ouais, la vie. Putain, il passe juste à côté. Grave. Ils te foncent à toute berzingue, les deux, là. Grave. Moi qui étais en train de chercher ma chaloupe. Bon, ça m'inquiète un peu, du coup. Ils ont peut-être lâché des joueurs pour venir nous emmerder. Ah bah, la chaloupe a des pop. Ouais, je pense que la chaloupe a des pop, monsieur. Maintenant, je vais... Refait. Heureux, quadruple heureux. Et je tombe à l'eau. Je tombe à l'eau. Et on tombe à l'eau. Oh. Proche du tuyau. Mais surtout, les deux brigantins, c'est ceux qui étaient derrière nous en fait. Pourquoi ils viennent se fight à côté de nous, quoi? J'en ai pas la moindre idée. Et j'ai absolument aucun stuff sur moi, en plus. Ah, mais non, je la vois, la chaloupe. Ah bon? Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois un brigantin, mais je vois pas l'autre. Ouais, je la vois aussi, la chaloupe, mais... là. Alors, c'est soit les serveurs qui rament de ouf, ce qui expliquerait pourquoi Ulimi rame. Mais des fois, l'eau elle saute et tout, le bateau il saute, etc. Ah, bah oui. C'est pas moi alors. Putain, j'ai eu peur. Non, mais la chaloupe là vient de redépop. Ah, non, elle est plus là. Ouais, ils avaient aussi des stopteurs. Oh, putain, ils vont venir nous emmerder là. Ils avaient aussi le bateau qui sautille, on est d'accord. Ouais. J'ai déjà remonté l'ancre, on est prêt à partir. Putain, on peut pas être tranquille, quoi. Il y a un bateau qui vole. Bon, c'est pour venir. Bien sûr, ils vont venir nous emmerder. Là. Putain, mais ils peuvent pas aller jouer ailleurs. Si les deux, là, ils veulent se battre. Hein. Ceci n'est pas une sommation. J'ai même plus c'est quoi ma touche pour parler. Non,
tire pas, pas sur eux qui passent loin, mais fais gaffe. Ne tirez pas à ceux qui passent gentils. Tout près. Là. Est-ce qu'ils sont au canon? Je sais pas. Ils vont nous tirer dessus. Ok, lâchez les voiles. Ils font que passer, ils font que passer, mais. J'ai pas de bois, moi. D'accord, c'était juste histoire de nous mettre des boulets gratos, quoi. Salut Starlax. Salut Starlax. Ils vont revenir, hein, c'est bon. Ouais, on va bien, et toi? Quoi? Ils se tirent dessus, ils nous tirent dessus, on leur tire dessus ou... Putain, et là, je revois la chaloupe. Non, non, mais cherche pas, va pas chercher la chaloupe, tant pis. On va faire la quête. Et là, elle vient de recouler. Non, mais attends, mais... Le serveur, il lag. Ouais. C'est pas comme moi, hein. Dès que t'as dit que le... toi aussi, le bateau, il sautait des fois, c'est bon, hein. Bye Starlax, ça fait un plaisir. Mais ouais, putain. Bah. Ce qu'il y a, c'est que. Est-ce que Ulim ou Exo peut rester sur le bateau pour les surveiller? De toute façon, je reste toujours sur le bateau pour surveiller. Ouais, bah alors viens avec moi, alors, connard. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Je viens, je suis mauvais en tir. Donc, je préfère. Mais quel intérêt d'emmerder les gens gratuitement? Bienvenue sur un jeu online. Tout simplement. Sea of Thieves. Surtout un jeu basé sur des pirates. Mais il y a le capitaine. Oh, il est déjà là. Enfin, il y en a deux en même temps du coup. Oh bah les deux ils sont sur ma gueule. En moins. Il est où l'autre? Je vois plus. Là. Ok, c'était juste histoire de... Je suis mort. Boum. Headshot. Mais il est encore vivant ce bâtard. Putain. Tu te rends compte que même sur l'île on se fait emmerder quoi. Toujours. Tiens, prends ça. Ils ont fait le tour du rocher. Du rocher. Ah, tu l'as pas pris? Ah, si. Bah j'allais prendre l'autre mais bon. Écoute. Mais ouais, il y en a un qui veut couler l'autre. Il le veut. Du rocher. Et là il y a la brume qui commence à se mettre. Bon, on est d'accord, ça lag. Ou c'est que moi? Non. Bah, toi je te vois un peu lagouiller de temps en temps, tu sais faire des gauche-droite. Bizarre. Mais ouais, putain, je lag pas spécialement, mais je sais que là par exemple, je revois cette putain de chaloupe et là je la vois couler. Voilà, et là elle revient de couler. Canon elle est Cove. Où, votre chaloupe? Elle est pile en face du bateau. Là-bas. Je le vois pas, hein, donc comme ça au moins. Ah oui, mais elle vient de recouler là. Tu vois où il y a les mouettes? Y a pas de mouettes. Y a pas de mouettes? Y a pas de mouettes. Là-bas, là où je tire, y a pas de mouettes. Non, je vois rien. Ok. Exo qui me vient. Fenon Cove, c'est ça? C'est là. Oh putain, mais pourquoi ils nous envoient Perpète, quoi? C'est toujours Perpète, hein, les quêtes comme ça. C'est au nord-ouest. Tiens, fais rire juste. Ah ouais, si ça lag comme ça, on va pas faire les deux heures. Non. Parce que c'est insupportable, ça lag trop. Au merde. Pire, essayer de changer de serveur. Mais bon. C'est quitter, rouvrir une session, merde. What the fuck, mais le bateau il fait des mouvements chelous. Est-ce qu'on quitte tout de suite comme ça, on perd pas grand chose ou Oh non, c'est pas grave, on va faire avec. Ça, c'est pas hyper.
hyper dérangeant non plus, mais bon. Ça prend pas sur l'autre du capitaine ? Non, non, non. Non, non, c'est sur serveur. Du coup, nord-ouest, monsieur Tite. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Ulim, il a l'air de plus douillé que vous. Bah, c'est normal, c'est Ulim. Ouais, mais Ulim, il a des problèmes avec sa connexion. Pourquoi ça ne marche pas? Salut, Ron. Mon PC, il fait de la... Des fois, il y a des périodes comme ça, il fait de la merde. Faut que... Il est blindé de poussière, faut que je passe un coup d'aspi après. C'est à ce moment-là. Hein. Le machin, il est gris à l'intérieur. Ça, ouais, pas, hein. Les ventilos, ils sont blindés. Mais il faut que je pense à aussi à nettoyer le mien. Tu sais, Exo, depuis que je l'ai reçu, je l'ai toujours pas nettoyé. Quoi? J'en étais sûr que t'allais m'engueuler. Putain, mais mec, c'est hyper important de dépoussiérer son ordi. Ouais, mais à chaque fois, j'oublie de le faire. Bah, c'est pas compliqué pourtant. Faut pas le faire n'importe comment, certes, mais c'est pas compliqué à faire. Le mieux pour ça, c'est d'utiliser un pinceau pour faire tomber la poussière et puis après t'aspires. J'en ai pas de pinceau, tiens. Mais moi j'utilise toujours un pinceau pour. Pour on faire part à l'ouest là. Je sais pas si c'est fait exprès, mais. Ah bah sinon, c'est juste qu'il a dévié. Il a bien dévié même. Partir nord-nord-ouest. Bon. À part les deux là, deux zigotos qui partent se fighter entre eux. Au pire, go le mettre dans l'eau. Non mais Ron, c'est toi que je vais noyer dans un verre d'eau à force. Moi je te donne l'autorisation. Je dirais même dans un bouchon d'eau. Son collier d'immunité, il marche que sur le serveur Discord, tu vois. Mais je t'ai dit, c'est un collier de nouilles. Le machin, tu le fais cuire, tu le fais bouillir et c'est bon. Bah oui, mais là, du coup, ça le transforme en méga totem d'immunité, tu vois. Bah non, vu que tu le manges. Bah après, c'est toi qui décides de le manger, hein. Ouais, j'ai pas trop envie, c'est un peu de la merde, comme... Oh, un collier de pâtes. Moi aussi je peux le faire. Pourquoi je suis fatigué moi? Ah oui, je sais, parce qu'il y a des connards de chasseurs qui ont fait chier. Et c'est qui me MP? Moi je dis c'est un coup de chat. Non, c'est un coup de dévie. Pourquoi le bateau il dévie? Parce que depuis... c'est depuis une certaine mise à jour hein, qu'ils ont fait ça. Hein, parce qu'avant, le bateau, il déviait pas de sa direction. Non, non, il allait toujours tout droit. Oh, droit devant toi. Oh, droit devant toi. Ouais, mais là, s'il dévie, je veux bien qu'il dévie. C'est mais tout droit. Dans le sens du vent, c'est-à-dire qu'il dévie vers l'ouest et pas vers la... Vers le nord. Vers l'est, quoi. Regarde le vent, la direction du vent. Tu vas me dire que le bateau, il va contre le à vent. À droite. Il va. Rouge. Ah, on passe devant Rebird. Pourquoi ça dévie? Tire à droite. Il a un pneu crevé, je sais pas. Je sais, c'est à cause des Galipers. Ah. C'est la faute aux Galipers. Ouais, mais les Galipers, c'est pas garanti. Les Galipers, c'est pas garanti. Du coup, on est un peu dans la merde. Faudrait quand même l'envoyer en révision, mais faut essayer de soudoyer les Galipers. Allez, je spoil comme un bâtard. La semaine prochaine. Spoil pas. Ouais, mais il y a mardi entre temps. Ouais, mais mardi, on va retenter de faire le stream sur le fameux Ultimate Chicken Horse. Je pense. Ah, toi, tu spoil pour ton jeu. Ouais. Bah, mais, ça m'intéresse pas. Je spoil samedi. Je stream normalement, juste avec Ulim et d'autres personnes. Sans j'aime bien coup, le. Juste avec Ulim ouais, et lieu d'autres personnes. Juste avec Ulim, c'est plutôt sans Exo. C'est juste pour pas forcer. Pour pas forcer, genre Estelle à venir si elle a pas. Si elle se sent pas de venir, tu vois.
mais Ulim, je le force comme un bâtard. Mais je le t'emmerde. Parce que t'as toujours été comme ça, à forcer les gens. Bah écoute, c'est lui, il m'a hypé. Ouais, mais moi je pensais pas prendre des one, du coup je vais être obligé de prendre des one. Du coup, mais je pensais que tu prendrais des one, moi. Mais je sais pas, j'hésite encore. Mais il a pas les sous, peut-être, tu sais. Si, j'ai les sous. Mais bien sûr qu'il a les sous. Bah il a peut-être pas envie de le prendre day one. Ulim, est-ce que t'as envie de le prendre day one? Bah je sais pas, ça dépendra d'un son gaming. Voilà. Mais du coup ouais, un stream sans ce gros con là, ça va faire du bien un peu. Ça fait toujours plaisir. Hein? Quoi là? Quoi moi? Toi là? Quoi moi? Non, tu ranges ça. Je range si je veux d'abord. On est un peu loin là, non? Pour tourner à gauche. Non, tu vas voir. Un peu raide. Désolé, je pose l'angle parce que sinon on se mangeait les trucs. Bah ouais, mais bon, pas de taki. Bah à toi. C'est trop dur. Genre c'est toujours ma faute. Bah moi je tenais l'ancre. C'est trop dur. Moi je tenais l'ancre, donc bon. Toujours ma faute. Mais lâche ce harpon, bordel de. Non, mais va chercher. Lâche le harpon. Mais. Voilà. Tu vois, grâce à moi, on s'est bien garé. Ouais, bon, heureusement que t'as lâché le harpon. Hein. Parce que sinon, ça allait être compliqué. Enculé. Vas-y. Mais quelle espèce de sombre pute. J'ai le dos. Putain. Ah, un peu loin. Non, tu crois. Bonjour. Mais quelle espèce de sombre enculé ce type. Il a rien pu venir. Ouais, mais regarde, il y a une caisse. C'était calculé, je l'avais vu. Mais quelle espèce de sombre enculé, quoi. Le mec, pile quand je rentre dans le canon, il lève le canon, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Bah, des squelettes. Ah. Espèce de tocard. Quoi? Désolé, tu ne peux pas. Tu peux pas tester mon intelligence. C'est pas possible. Tiens, au lieu de faire le con, remplis la caisse avec les tonneaux. Putain. Et je vais lui rentrer dedans, lui. Hein. Comment tu veux me rentrer dedans? Tu peux pas? Faudrait déjà que tu bouges de chez toi. Ah! Eh, j'ai bougé de chez moi, je vais aller chercher des pizzas. Allez. Je suis obligé de moi, je suis allé chercher des pizzas. Bah ouais, naufrage de mon pizzatage. Le mec, tu lui dis ouais, vas-y, viens et tout, je vais te faire montrer la région. Ça m'intéresse. C'est moi qui ai obligé de bouger, tu vois. C'est moi qui ai obligé de bouger jusqu'à Bordeaux pour aller voir ce gros connard qui s'intéresse même pas en fait à ce que tu vas dire. Et si Bah j'ai trouvé les squelettes et Ah. Il y en a avec des barils. Il
Et ça fait bim bam boum. Et j'ai oublié. Merci. T'es où? Ah, t'es dans l'herbe. Là-bas. Une chaloupe. Fais gaffe, Philippe, encore des barils. Bah oui, j'ai remarqué, ouais. Eh oui, j'ai plein de munitions, j'ai oublié de remplir. Ah, je brûle. Bah, brûle en silence. T'as vu, c'est incroyable, Ron. Oh, c'est peut-être la box qu'il faut que je rebute. What? Ah, mais le serveur a des bons gros lags. Parce que là, je venais de prendre la noix de coco et la banane. Et la noix de coco et la banane ont été dans mon inventaire, mais sont restés aussi dans le tonneau. Genre, ils ont fait les deux. Ouais, bah vivement le changement de serveur, si on arrive à provoquer un changement de serveur, ou si on tombe dessus au pif, ce serait pas mal. Parce que, voilà. Hein. Il me semble comment que, dire que c'est très casse-couille. Il me semble que ça change de serveur quand... Quand il n'y a plus grand monde sur la session. Putain, t'es sérieux, il y avait que deux boulets. Bah moi je fais les tonneaux de l'île. Ah, ah mais vous êtes là en fait. Oui. C'est mieux depuis qu'on les tue plus vite. Ouais. C'est ma soeur. Balbeur. Sur un R2. Et beurre. Ah, ça a fait ça aussi des fois. Des kaboum. Kaboum caboche. Kaboum caboche. Puf-puf. Ah non, pas le puf-puf. Si, le puf-puf. Bon, je pense que j'ai ramassé quelques conneries. Mais ouais, dégoûté, il y avait que deux boulets dans le truc de la chaloupe. Parce que j'ai pris les autres. Addictio, il fait du moonwalk. Je regarde du lait. Kaboom splush. Parce que apparemment, d'après sa réaction, je lui ai chouré le crâne sous le nez. C'est un peu le cas en fait. Vous êtes un choureur, monsieur Xio. Vous êtes un chouraveur. Vous êtes un choumaveur. Un chourave, c'est un peu comme une betterave. Ah, mais le voyage il est fini. Un peu plus chou. Ah oui, le voyage il est fini. Putain, c'est l'arnaque hein, ces voyages. Oh la vache! Il y a un Reaper. Il y a Reaper qui vient de commencer. Ok. Loin. Oh shit. Toi, je crois que Lim il a vu la carte des quêtes. Ouais. Eh sinon le Reaper on se le fait hein. Tu veux foncer tête baissée. On risque de perdre notre drapeau. Allez do it. Salut Man of Steel. J'aimerais bien prendre la carte en vrai pour pardon. Marquer, voilà. Hop. Du coup, il y en a une à Sharkbait. Bon, bah, madame. Bah, tu es une madame. De quoi? De qui? Estelle. Théoriquement, le terme mademoiselle a été aboli. Toutes les femmes sont des madames. Mademoiselle. Mais d'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait une féministe qui disait qu'elle voulait enlever le terme de madame vu que ça faisait trop considération d'objets, comme quoi quand on les appelait comme ça, ça faisait comme si on leur appartenait. Et monsieur. Oui, oui. Faut pas chercher. Marquez mademoiselle sur ta CV.
T'as de la chance. Ouais, mais profite, c'est parce que t'es de 96. Bon, alors on a une île tout au sud, une au sud-ouest, une plein ouest, et il y en a trois au nord. On va se faire les Reapers. On va finir par les trois au nord. Hein. Une là, une là, une là. Ça se trouve, c'est juste un plan cul. Non mais oh, tu vas te calmer. Donc c'est vous qui voyez. Bah, on va commencer par celle au sud, je pense. Ah ouais. Putain, par contre le chat il est vachement plus gros. Ou c'est moi. Je vous. Alors, il y a deux problèmes les mecs. On a Reaper qui est à Reaper. Ouais. Et on a ça. Il vient de popper, il était pas. Il vient à peine de popper, hein. Il était pas juste maintenant. Alors donc pourquoi quand on veut se battre, il y a personne, et pourquoi quand on veut être tranquille, il y a tout le monde. C'est dingue. C'est incompréhensible. Bah finalement, on va peut-être changer de trajet. Genre, on va partir au nord. On va faire. Vous voulez pas faire les Reapers. On va pas aller les faire chier. On va voir s'ils s'approchent de nous, on les défonce. De toute façon, ils vont venir nous faire chier. Si c'est un galion, une sloop ou une brigantin. Hein. Et c'est qu'au niveau 5 qu'ils voient où on est. Pour l'instant, ils nous voient pas. Donc Picaron, on va aller à Picaron Palms. On va faire Smuggler Bay et c'est leur bounty. On va descendre jusqu'à celle-là et ensuite on va aller à cet avant-poste. Quelle direction? Ouais. C'est tout droit, globalement. De toute façon, les voiles droites, hein. On a le bon en face. On va quand même enlever un petit peu celle-là pour que tu l'imbouilles. Je crois que ça c'est Capitaine Dorf. Vous savez que c'est tentant. Ouais. Qu'est-ce que. C'est triste, Sea of Thieves. Les devs avaient de l'or. Ils ont. Qu'est-ce que je veux ils dire, ont c'est tout tentant. Fait pour de la. Pour ça, merde. Mais oh. Qu'est-ce qui t'arrive, Man of Steel? Il est très bien ce jeu. Addictio, c'est tentant. Le fais pas. Je fais pas ça. Pourquoi? De contraintes. Donne-moi une bonne raison de pas le faire. Tu le fais, t'es viré. Voilà. Mais viré de quoi? The Thriller. Mm-hmm. Tu veux dire une chaîne où je contribue à 50% de l'activité? Oui. Mm-hmm. Et t'arriverais à faire 100% de l'activité? Non. Bah du coup oui. Techniquement si. Bah. Ou très bien les 5 bateaux par serveur. Oui. Oui parce que plus déjà c'est pas 5 c'est 6. Et plus ce serait Et c'est pas un MMO hein. C'est pas un MMO, ça a rien à voir. Plus que 6 ce serait beaucoup trop. Déjà que là on croise beaucoup trop un facilement. MMO, c'est un multijoueur massivement multijoueur online. Si je me trompe pas. Donc, et non, s'il pas, y avait beaucoup plus de bateaux que ceux qui sont par serveur, ce serait Bagdad. Imagine à l'horizon plusieurs bateaux qui te foncent sur la gueule parce que déjà quand tu fais un fort des damnés, hein, vous avez vu ce que ça donnait. Voilà. Moi j'ai pas vu mais vous oui. Pour les activités, random genre chasse au trésor ou trucs comme ça. Justement, ça a pas l'air d'être beaucoup, mais dès que tu pars sur des forts, des trucs comme ça, t'auras toujours des gens qui viendront t'emmerder. Il y a v'là le monde hein, sur Sea of Thieves. Hein. Justement, il y a personne donc il peut pas être massif. Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est pas un MMO, ça a jamais été un MMO en fait. Ça a jamais été pensé pour être un MMO Sea of Thieves. Hein. World of Warcraft, c'est un MMO. C'est un jeu d'exploration PvE. Dofus, c'est un PvP, MMO. C'est tout. Dragonica, c'est un MMO.
Sea of Thieves, c'est un jeu aventure. Oui, clairement. C'est principalement un PvE avec des éléments de PvP. Voilà. C'est ça. Certainement pas un MMO. Hey, ce serait affreux. Imagine, tu te tapes un Kraken. Et d'un coup, t'as 4 bateaux qui te tombent sur la gueule. Et puis, plus loin, t'as encore une dizaine de bateaux. Vas-y. La carte est grande, mais pas assez grande pour autant de bateaux. Hein. Déjà, 6, salut, c'est bien chat. Trop. 6, hein. C'est beaucoup. 6, c'est selon déjà énorme. Vas, selon où tu vas, ce que tu fais, c'est beaucoup. Là, pour parce reprendre le l'exemple tomber, de qu'a dit... j'ai dit Radixio, putain. L'exemple qu'a donné Exo... quand on va faire par exemple le fort des damnés, le fort qui rapporte le plus du serveur, tout le monde le voit. Tout le monde le voit et tout le monde se, vient sur ta gueule. Voilà, parce que le loot te fait tellement gagner masse que du coup tu tapes 5 bateaux sur ta gueule. Et 5 bateaux qui sont contre toi vu que tu fais le fort, bah, c'est beaucoup. Sachant qu'il y a peut-être une ou deux alliances dans le lot. Ouais. Ah oui, les alliances, parlons-en. Faudrait qu'ils revoient ce système d'alliance. Clairement, faudrait mettre une jauge d'alliance. Parce que même si... Une réputation d'alliance, ce serait pas mal, ouais. Ouais, une réputation d'alliance qui aille entre le positif et le négatif. Ou du coup, quand tu... Ou un karma ou un truc comme ça qui fait que quand tu trahis des alliances, tu perds du karma. Et du coup, les gens ont une stat et sont moins enclins à faire une alliance avec toi. Du coup, c'est ça. Ce serait pas mal un truc comme ça. Après, il y aurait forcément des abus où les mecs farment le karma positif pour après niquer le truc. Mais ce serait plus difficile, plus rare. Quoi. Oui, et surtout que bon, tu peux tomber sur un serveur à cause de ça, full alliance. On arrive sur les. Hop. Ouais, je sais, mon ping il monte. Donc attends, en mer il baisse et sur une île il monte. Ouais. Addiction, l'encre. Bah oui, vu qu'il y a plus de trucs à gérer. Forcément il monte. Je lâche. Après là ça va, je suis passé en dessous des. J'étais à 80, là je suis passé au 70 à peu près. On peut pas faire plus proche là. Et il a fait nuit d'un coup ou c'est moi? Non, non. C'est tombé progressivement. Ils sont où? D'accord. Ah, ils sont là. Oh putain, il fait nuit, il fait chier. C'est les squelettes de l'ombre. Ça va être un squelette des ombres du coup le capitaine, non? Pas obligatoire. Ah non. T'as mis les yeux qui brillent comme ça m'étonnerait pas que ça soit un... On verra de toute façon. Une pauvre squelette, on prend dans le vrai. Un souci avec ta Switch. T'as beaucoup de soucis en ce moment, chat. Ouais, d'abord tes cheveux. Attention, baril. La Switch, après, elle a fait plus. Elle a fait plus aussi. Non, la Switch est pas waterproof. Je me fais gratter. Mais what? Comment je suis mort? J'ai rien compris. T'es mort? Oui, il est mort. Je l'ai fait. Mais comment ça tu te l'es fait hack? Tu peux pas te faire hack ta Switch. Tu peux te faire hack ton compte, mais pas ta Switch. Attends, elle a vraiment fait plouf? Attends, t'es sérieuse? Comment ça plouf? Bah dans les toilettes ça fait plouf. Comment t'as fait?
Autant un téléphone, je veux dire une Switch. Non, c'est juste ton Joy-Con qui part en vrille. Ah putain. Ah, Joy-Con Drift, oui, mais ça c'est normal. Ah, je suis mort. RT. Oh, je suis mort. Oh, il est mort. Tu veux un coup de main peut-être? Viens là. Merci, monsieur. Monsieur Lim. Ah bah c'est bien un squelette. Squelette sombre. Ah. C'est pas des planches que je veux, c'est éventuellement de la bouffe. Ah. Aïe. Panique. Putain. Ah. Pourquoi ça brûle? Parce qu'il y a eu un boulet. Mais qui a envoyé le boulet? Du coup maintenant je brûle. Oh, moi. Farpé. Le pire ennemi de chat, ça va être les WC maintenant. Putain, j'ai cru qu'on voyait aucune île à l'horizon. Ah, ah. Enfin. Dis-moi que ça va régler les soucis. Alors attention, la mer et le ciel, ils risquent de faire... Il risque de faire bouge bouge. Il y a des squelettes qui ont pop derrière moi. Par contre, j'espère qu'ils vont pas me tirer dessus. Bah tu verras bien. C'est long. Ouais mais ça a souvent été très long ça. Pas autant. Les serveurs ils sont cassés en ce moment. Oula oula la mer. Je crois que j'ai été kick. Ouais, j'ai été kick. Très bien. C'est pour ça que ça a été aussi long. D'accord. Ouais, j'ai plus de balles. Ouais, y'a un. Okay. Non, un autre. Ah, mais d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'en ai marre. J'en ai marre. En plus, ça a l'air d'être un cendrier celui-là. Bah, c'est un capitaine nommé. Donc, à chaîne gardien. C'est ma box qu'il faut que je redémarre en fait. Hein. Non, mais on va pas faire les deux heures, hein, tant pis. J'ai l'impression que ça sautille moins. Ah, c'est plus. Lankov. Ah, les capitaines cendrés, c'est plus sur l'île où on les tue? Non, on dirait pas. Ça dépend. Pourquoi elle est encore? Est-ce que vous pouvez faire sans moi pendant 5 minutes? Bien sûr, je pense. Je vais reboot ma box, j'en peux plus. Puis comme ça, je saurai si ça vient de la box ou du PC. Peut-être là, du câble aussi. C'est pas possible. Non, bah enfin. Justement, j'ai débranché et rebranché. C'est bien ce qui me semblait, je voyais vraiment aucune île à l'horizon en fait. Bref, excusez-moi les enfants, je reviens tout de suite. Ouais, tout. Alors, quoi, pourquoi tu voyais aucune île à l'horizon? Ah. Je dis que t'as pas raison. J'ai un problème, je peux plus lire la carte. Bord de map. Je peux ouvrir les tonneaux derrière et Smuggler Bay c'est à gauche. Je peux utiliser le canon, très bien. Mais je peux lire de nouveau la carte. Bon, bah, c'est bon. D'accord. Pas chercher, je pose une question. Hein. Sea of Thieves, un jeu très bien foutu. Hein. Peut-être un jeu bien foutu. Bon, il y a pas de Reaper, il y a pas de drapeau rouge. Donc, Du coup, bah, oui. Nord-Ouest, du coup, monsieur Tite. Est-ce que l'encre est levée? Non. Nord-Ouest, j'ai dit. C'est l'île là. Bah,
Bravo, monsieur Tite. Non, je crois que c'est plutôt de votre faute. Ma faute? Pourquoi t'as déplié les voiles? Bah, pour avancer. Bah oui, bah t'aurais pu me laisser tourner, enculé. Mais il va mollir celui-là. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui. Il a qu'à conduire. Mais qu'est-ce que radio. Putain, c'est pas croyable de voir ça. Le mec, pire qu'une Yandere lycéenne, quoi. Eh, hey, tu vas te détendre, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je pars 30 secondes, c'est déjà le bordel. Bah oui, mais c'est lui, là. Il déplie les voiles alors que j'ai pas tourné. Il va mollir, celui-là, hein. Je te le dis, moi. C'est toi qui vas mollir. Les autres. C'est quoi, ça, d'accuser les gens? Ça va, tu t'amuses. Headshot. Merde, t'es mort. Non, tu crois. C'est pas notre île. Non, c'est l'autre d'après. Ah. Tiens, prends à manger. Merci. Et une petite mangue. Merci. Je suis sympa. Dis le mec qui m'a buté. Putain, mais quel enculé ce mec. Ah, je t'avais dit headshot. La la la. Et pourquoi on a toujours le vent de face? Parce que on est maudit. Maudit par David Jones. Ouais. Ouais. Je savais que c'était sa faute. Ding ding ding. Rebonsoir. T'as vu, tu peux pas nous laisser 30 secondes sans qu'il y ait des conneries. Oh, mais irrécupérable, hein, ces enfants. De qui? Vous, là, vous deux. Mais sur on a rien fait. Pourquoi moi? Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je suis gentil, moi, je donne mes boulets, et puis c'est comme ça qu'on... Ah ouais. Ah, tu me l'as donné bien dans la tronche, hein. Ah, madame, je suis gentil, ah ouais. Je te l'ai mais pas. Mais pourquoi, Estelle, tu veux voir le Kraken? Laisse-moi tranquille. Ah non, pas le Kraken. Un mégalodon, ok. Mais pas Kraken, quoi. C'est chiant. Cette île est chiante parce qu'il faut rentrer dedans. Non, pas forcément, on peut se mettre sur la plage à droite, là. Ouais, mais c'est relou. Enfin, alors, si je fais un speed test. Alors, j'ai fait un speed test, j'avais quasiment zéro en upload. Là, si je fais un speed test, qu'est-ce que ça dit? 12. Putain, ça va passer loin, ça. Déjà, j'ai plus zéro en upload, ce qui me rassure. Donc ça devrait aller un peu mieux, je pense. Pas les timeouts, faut les ban. Je sens que celui-là, il va faire mal. Ah non. Ouais, par contre, le Bobby là-bas, là, c'est le canon. Touché. Eh ben, ça a chargé instant, Anto. Mais j'ai toujours 90 de ping. Bon, on va voir, peut-être que ça s'est stabilisé. Faut le descendre, lui, là-haut, là. Touché. Ah ouais, il est mort, normalement. Ça a l'air. Il y a une chaloupe, ça s'est relevé, ça s'est relevé. Bon, je vais relever en combattant.
Enfin, Addictio il dit ouais, on va pas faire les 2 heures, mais on est déjà à 1 heure de stream. Putain, ça me fait peur l'encre. Là c'est Uli. Pardon. Du coup, on est sur quelle île du coup là? Putain, t'avais le peu de nage que t'as fait, t'as attiré un requin, Uli. Grave. Du coup, on est sur quelle île? Parce que j'ai rien compris. Celle de droite, il me semble. Non. Crescent Isle? Non, Crescent Isle est plus au sud. Non. Smuggler's Bay. Oh, on s'en fout, il y a des squelettes. J'ai eu un rollback. On s'en fout, on cherchait les squelettes, donc bon. D'ailleurs, on a une carte de bouteille qui est sur Crescent Isle. Bah du coup, Exo, tu regardes sur quelle île on est, s'il te plaît, vu que tu retournes au bateau, là. Smuggler Bay. Et là, c'est moi qui ai des putains de drops. Donc, est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Smuggler's Bay, oui. Ok. D'ailleurs, vu qu'on a changé de serveur, il y a des Reapers. Non, non, il y en a pas. Tant mieux. Tout ce que je sais, c'est que moi, je me mets à laguer. Ulim, tu as transféré tes problèmes de co sur moi. Bah, j'ai reboot la box, ça a l'air d'avoir aidé, donc je sais pas après. Mais. Faudrait que je vais tester de faire ça. C'est vrai qu'on peut plus les frapper comme des cons. Si tu peux regarder vite fait, Exo Watt, je sais pas. Aïe. C'est qu'on est contre des squelettes en or et on n'a pas pris d'eau. Ah putain, ils sont là-bas, j'arrive. Je les cherche, mais ils sont là-bas. Donc... J'en ai marre de laguer là. Allez, mais meurs! Putain! J'offre mon âme au passeur. Ça me saoule. Et donc tu dis qu'il y a un coffret d'armes maintenant sur le truc du passeur? Oui. En haut? À côté du mât. Sur le mât en fait. Ah ouais, en effet. Ce qui est vachement pratique, il faut l'avouer. Au moins quand tu meurs, tu peux reprendre des munitions. Et surtout si tu meurs de la part de joueurs. Enfin, c'est pas tu peux reprendre une mission, c'est tu peux changer d'arme. Ah. Comme ça, si tu meurs contre des joueurs, tu peux prendre le troublon. Voilà. Ça. J'ai trouvé un coffret de munitions. Et j'ai trouvé une sirène aussi. La gueule. Une statue de sirène. Du coup, le Go Live, ça marche ou pas du coup? Si t'as pu voir. Non. Je sais pas si t'as pu voir. Attends, non, j'ai pas vu de quoi j'ai même pas entendu ce que tu m'avais demandé en fait. Stream Discord. Est-ce que ça marche ou pas? Ça gère de la box, mais c'est mieux que. C'est mieux qu'avant. Mais ça ramouille un peu. Enfin, ça ramouillait un peu. Là, ça va. Ok, ça va alors. Ça devait être la box. Hein. Elle chauffe cette cochonnerie. Ah bah, dame. Merde. Quand ça chauffe, ça chauffe. Laisse ta chauffe. Je crois que je vais mourir avant de faire péter la sirène. Ouais, je suis mort avant de faire péter la sirène. Triste. Une sirène verte. Pourquoi je prends ça? Attends, je vais essayer de venir la finir. La chauffe, cette cochonne. Ah bah, cette box, c'est une cochonne. Ah bah, un peu comme Addictio, hein. Madame, il chauffe autant que ma soeur, Addictio. Et encore, ta soeur, c'est. C'est une petite merde à côté. J'ai encore crevé, hein. Je suis mort.
je suis tout seul? Ah, parce qu'on est sur autre chose. Les écoute pas, chat. La phrase préférée d'Estelle. C'est bon, je l'ai eu. Les écoute pas, chat. Pas chat, chat, chat. Pas chat, 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 chat. Pourquoi tu veux pas que chat écoute les autres? Regarde. Chat, elle évoluerait beaucoup plus vite si elle m'écoutait. Non. C'est pas dans le bon sens. Je mets où ça? Mais ça sent le pont. Tu les as tués, Izo? De quoi? Non, là je ramène un. Une émeraude. J'essaie de la protéger. Bah t'as bien raison. Il faut essayer de la protéger. Écoutez Adixio Pyridé. Eh hey, mais je vous merde. D'accord. Non mais je suis d'accord. Non mais je vous merde tous autant que vous êtes. Votez pour moi et vous pourrez revenir en liberté. Le squelette il s'enfuit. Rotez osé. Tu dis ici connard, oh, putain. Y'a pas de la bouffe sur cette île. J'en ai moi. Et il est où le squelette? Ils sont en bas. Et tous les squelettes qu'il y avait, ils sont morts. Ils sont là. Là, il y en a. Putain, il s'est tourné le bâtard. Ah bah écoute, t'as un bon point de ça. Moi je me suis pris du coup. J'étais en train de monter. J'ai vu un truc bouger, là, je me suis dit un squelette, je regarde et c'était une poule. Bonne grosse poulette. On bat les couilles. Je crois que t'es mort, tu feras gaffe. Je suis pas sûr mais je crois que t'as... Les enfants m'écoutent plus que toi. Ouais bah tu verras ça plus tard. Quand... Et comment... Je parle à chat toi. Ah là 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 là, ils sont rigolos quand même. Il y a le Hoi Hoi Captain. Ah, il y a le Captain? J'arrive. Il y a le Captain. J'ai une surprise pour le Captain. Enfin, c'est pas que je t'aime pas, Ad, mais je crois plus en Estelle que toi. Je vais finir par le prendre mal. Hein. Mais tu n'as pas besoin de le prendre mal parce que c'est juste la vérité en fait. Toi tu te tais, pourquoi tu me parles? Attention Ulim. Merci Exo. Tu m'as sauvé la vie. Au détriment de la sienne. Bonne nuit Man of Steel. Regarde, je suis toujours vivant. Adixio, tiens, j'ai un truc à bouffer pour toi. Mais je m'en fous, je suis mort, j'ai tout, toute ma vie. Bon. Oh. Je le prends pas mal, hein. Déjà, je le prends comme je veux.
te le donne. Je vais dessus jusqu'au bout du monde avec. Plouf. On est d'accord que là, Exo vient de lui déclarer sa flamme. Non, je viens juste lui filer un coup de main. Non, Ulim, ne mords pas, Ulim. Je te sauverai. Ah bah non. Je te le ramenais. Oh la vache. Oh la, le coffre de la chaloupe. Eh oui, c'est mes, tout ce que j'avais mis moi dedans. Qu'est-ce que tu crois, je l'ai chargé la chaloupe, connard? Non, non, mais tout ce que je vois, c'est que personne m'écoute au final et que tout le monde me fait la gueule. Mais non, alors mais que... c'est toi qui es juste en retard. Non, 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 mais moi, tout ce que... c'est un truc que je remarque, c'est que je suis un exemple de gentillesse. Pardon. Toi, alors gentillesse. Eh, hey, attends, non, 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 mais là, c'est vraiment, mais c'est même plus l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. C'est le président qui se fout du peuple, hein. Je suis désolé. Ouais, mais ça, c'est quelque chose de normal. Mais enfin. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas. Écoutez, Addictio, c'est pas la peine. Non, ça ne sert à rien. Mais arrête, on dirait ce que me dit Griff, quoi. Parce qu'elle a raison. Mais non, elle a pas raison. Bah si, elle a raison. Non. Et d'ailleurs, on la voit plus souvent maintenant. T'as vu, on aurait eu l'occasion de jouer à Ark pendant le confinement, hein. Oui, mais oui, on aurait eu l'occasion de jouer à Ark. Ouais, mais Ark, vous avancez trop vite. West, du coup, Monsieur Schlem. Ouais, mais c'est en train. On avance. Ah, mais non, c'est pas en train, c'est en bateau, lol. Oh putain, mais. Lui, ouais, il si, est bien celle-là. Un exemple bien, du vide. Donc pour toi, je suis vide, Léophal. Oui. Tu es vide c'est de rude, tout, Addictio. Tu aurais besoin d'être rempli. Malheureusement, tu n'es pas gay. Putain. Ça veut dire qu'en fait, tu le perces avec une aiguille, il explose. Exactement. Il est plein d'air. C'est ça. Ça explique des choses. Ça explique des choses. Ouais, enfin, c'est toi qui parles, le gros, là. Ouais, mais lui, on sait, il est plein de quoi. Tu veux que je te lâche la chaloupe? Non, c'est bon. Je teste, non, les nouvelles je teste les nouvelles sirènes en vrai. Voir où est-ce qu'elles spawnent. Elle a spawn. Oui, ils ont pas changé en fait. Elle spawn toujours à hyper loin. Quoi. Je t'ai vu faire un mouvement. Je t'ai vu faire un mouvement de genou chelou, Exo. Ah bon? Ouais, où tu t'es accroupi, tu t'es relevé, c'est bizarre. J'ai rien fait longtemps. Vous êtes terrible entre vous. On s'aime? Pardon. Moi, tu t'aimes tout seul. Ulim! Quoi? Je t'aime! Je savais bien qu'il était gay de toute façon, ça se voyait, il voulait être rempli. T'as vu, elle est verte, la flamme. Ouais, et moi elle est jaune. Et vert et jaune, ça fait quoi? Bleu. C'est bien, vous avez le droit à un sourire. Apprenez les couleurs avec Lim et Addictio. La quintessence de l'aléatoire. Plouf, plouf. On arrive, messieurs, dames.
Bien. Il faut lâcher l'ancre, messieurs dames. Le mec créneau, mon gars. Seul, en mode dame. T'as entendu le mec, il saute ensuite lui-même. Mais c'est toi là. Mais il parle au chat. Tu m'énerves. Non, il se parlait à lui-même, je te dis. J'ai une caisse de bois. Arrête, nice. Vas-y, j'en ai marre d'être pris pour l'idiot de service. Et tu es un idiot du village. Waterproof. Ouais, comme Ulim, il est waterproof. Waterflute. Comme le téléphone de chat, il est waterproof. Wait. Waterflute. Ah. Je pense que ça a pété. Je crois que Lim n'est pas explosion de plouf. Ah, j'ai oublié de faire cure mon serpent. Ah, du coup il est malade et il va vomir. Je vomis sur les squelettes. Oh le mec. Comment il marche pas le tournoi? Ah mais c'est bon, calme-toi là-bas. Garde tes boulets. Et le moment où on va en avoir besoin, on va plus en avoir. Aïe! Exo, canon, si tu veux, cette fois. Tu m'as poussé. C'est bon. Bah démerdez-vous. Mais ça veut rien dire au plouf. Ah si, l'eau et plouf, c'est le bruit que ça fait quand ça tombe dans l'eau. Water plouf. Ouais. Waterplouf. Ton truc, il était pas waterplouf. Ah, ça pour sûr. Ah, techniquement, si. Il a waterplouf. Il a waterplouf, oui, mais il est pas waterplouf. Oui, mais il est pas waterplouf. Mais il n'est pas conçu pour faire waterplouf. Aïe. Et quand un waterplouf égale deux waterplouf, eh ben, ça fait waterlo. Encore un peu. Salaud. Raphaël Gardi waterlo. Exactement. Là. Garde du waterflow. Cette musique. Les méchants. Je sais pas, j'ai coupé la musique du jeu moi perso. Non, elles sont plein sud. Ouais. Bah tout droit. Ah, go. Qu'est-ce qu'on attend? Ah, de relever l'ancre. Oh non, elle est déjà relevée. Bah oui, elle est déjà relevée. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui était en train de cuire. Ouais, je viens de le mettre à cuire. Putain, à l'aide. Démerde-toi. Tu veux que je te lâche la chaloupe? Non. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Non, parce qu'on peut te lâcher la chaloupe si tu veux. Ouais, elles sont toujours à chat les sirènes, hein. Je pense qu'elles spawnent un peu moins loin dans le cas où il y a plusieurs waterproof, joueurs. Waterproof, à l'épreuve de l'eau. Waterproof a fait plouf dans l'eau. Bah, waterproof. Si waterproof c'est à l'épreuve de l'eau, waterproof c'est a subi l'épreuve de l'eau. Oui. Exactement. Du coup, un téléphone qui est waterproof, c'est qu'il a été approuvé comme quoi il résistait à l'eau.
Non. Donc c'est bien ce qu'on dit. C'est qu'il a été approuvé comme quoi il est tombé dans l'eau. Mais non, à l'épreuve de l'eau, du coup. T'as vu? C'est proof. Ben ouais, mais Water Plouf, à l'épreuve de qu'il est tombé dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il a déjà tombé dans l'eau et que du coup il est à l'épreuve d'être tombé dans l'eau. Ben techniquement, il peut ne plus marcher après. Bah c'est le principe du waterproof. Si t'es pas waterproof, tu marches plus. Quoi? Mais non. Mais si. Lim qui comprend pas le terme waterproof non plus. Mais après, c'est faut ouf, pas hein. Oublier les galipers. Hein. Bah les galipers, c'est waterproof. Qu'est-ce qu'on sait? Bah c'est pas garanti. Garanti. Bah oui, donc c'est pas garanti, donc c'est pas garanti que ce soit waterproof. Bah si, justement, si c'est pas garanti, c'est garanti que ce soit waterproof. Ouais, mais les galipers. Bah les galipers, c'est pas garanti. Mais c'est waterproof. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu te calmes. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es sûr tu veux continuer à m'applaudir? T'es sûr? Attends, bouge pas, j'arrive. Bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Oui, il s'est déguisé. Et il a bougé. Vas-y, moi aussi, je me déguise. Je suis caché. T'es sûr tu veux rester là? Hey! Quoi? T'es où, Lim? Bah derrière, j'étais juste derrière toi. Putain, je me suis... C'est pas toi que je le disais, c'est lui là. Je viens de bouffer du poulet et je vais devoir rebouffer du poulet. Putain, mec. Par contre, virage à toute. Ah ouais, on est arrivé avec vos conneries là. C'est quoi le réel lui là? Mais pas du feu, idiot! Non mais c'est éteint. Putain mais immonde abruti quoi. Arrête-toi. Arrête, tu vas finir par me buter. Les galipers, c'est pas garanti. Désolé, monsieur Schlim, c'est pas vous que je visais. Par contre, vous êtes sexy en... T'as vu ça? En péripapéticienne des tropiques. Est-ce qu'il me manquerait pas un peu des cheveux? Je me demande. Ah si, je pense, une petite coupe. C'est où les cheveux, c'est un accessoire, c'est ça? Genre, les cheveux, c'est des accessoires. Ouais. Ouais, Exos, elle l'a bien compris depuis bien longtemps. Ah bah dame. Eh, t'as 3 bits ou tu les as pas, hein. Je parle des cheveux. Hein. Mais... Il était pas encore assez cuit. Ah. Voilà, là je suis fabuleux. Regarde-moi, je suis fabuleux. Je pense que là il devrait pas tarder à être bon. Oh, vous êtes fabuleux. Fais gaffe à ton serpent quand même. Ouais, t'inquiète, je surveille. Regarde s'il est pas trop cuit ou s'il est pas bien cuit. Je suis un peu crassouillade, je reviens. Ah, il pue. Attends, du coup, on a dit les cheveux. C'est où? Accessoire. Les cheveux. Las cheveux. Voilà, monsieur Schlim, je suis assorti à vos cheveux. Putain, le con. Il a aussi pris les cheveux soyeux. Et tu sais quoi? Pour aller avec toi, je vais changer ma moustache. Oh, le con. Non, fais pas ça. Ah. Non, ça peut pas. C'est toi qui es un bon sniper, reprends, tu peux pas tirer sur les barils, là? Hein, ou qui, quoi, ou quoi, bon, quand? Prends ta barbe, t'es moche comme ça. Sur les barils où
Sur la plage. Bon, je les ramène. Visiblement, ils sont déter à venir me buter, donc. Ah, là-bas. Attends, j'en vois un. Ah, mais j'ai pas du tout l'angle avec ce putain de truc. Je vais essayer, mais. J'ai pas du tout l'angle. Oh. Merci. Parce voilà, il a qu'à demander. J'ai plus de balles. Prends Rexo et remets ta barbe parce que. Quoi ? Elle est bien ma barbe. Non. C'est quand même c'est fragile ces mobs. Là, je sais qu'une moustache. Tu regardes les seuls mobs qui nous cassent. Attends, les couilles. On va demander à Monsieur Dixio. C'est les squelettes en or. T'es dégueulasse. Oh. Tu ne sais pas reconnaître ce qui est beau. Par contre, ça cuit toujours. Ouais, ouais, je sais. Monsieur Xio, je suis au revoir, beau, chat. Pas. Au revoir, chat. Au revoir, chat. Les chalpeurs, non, c'est pas de toute façon, cette tenue est dégueulasse, donc bon. Mais. Je vais bouder. Ah, attends, faut que je mette mes vrais dreads. C'est-à-dire celle-là. Parce que du coup, j'ai plus de cheveux sur le caillou. Bah, le chat, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont moches. De qui? Vous. Mais c'est toi en fait qui est moche. C'est vous qui êtes moche, déjà. Nous, on est la soyeuseté même en fait. Oui, bien sûr. Si tu l'as pas compris, on peut plus rien pour toi. Ça, moi je suis Georges Clooney. What? T'es Georges Clooney, ouais. Essayez de le chourave le baril. Ah. Bah il est mort tout seul, très bien. On est sur Crescent Tile du coup là, non? Je sais pas du tout où on est, moi je tape les squelettes. Et moi je vais aller faire des coffres. T'es pas fan de Georges Clooney, mais en même temps, je sais pas ce qu'il a d'extravagant. Je sais pas, je suis désolé, mais quand tu le regardes dans le film Batman, je vois pas l'extravagant. Oh, je suis mort. Geronimo! Et il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, je me balade. Là, il y a une caisse, voilà, déjà. Une caisse de stockage. Le canard coin-coin, le canard coin-coin, le canard, le canard coin-coin. Le canard qui fouette. C'était un gros canard. Je ferai attention à Dixio, il y a du sable. Ouais. Ah, joli. Mais... Merde, celle-là j'ai pas fait exprès. Mais. J'ai pas fait exprès celle-là, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a pris 30 millions de quêtes. Ben si, c'est grave, parce que si on veut faire la quête du. La grosse quête d'émissaire, on va falloir de la place et du coup on va pas en avoir, je sais pas comment ça va se passer du coup. On n'aura pas le temps. Comment ça on n'aura pas le temps? Comment veux-tu qu'on farme si on fait pas la quête d'émissaire? Pas en stream du coup. Hein. C'est vrai que c'est long cette quête. Bah oui. Mais en même temps le squelette nous envoie à Shrey. Bah tu passes 3 quarts d'heure à naviguer pour 10 minutes à farmer. Pour 10 minutes à pied. Non, je ne pense pas. On va être attaqué. Non. Comme Kakashi? Ouais. Kakashi à tapier. Oh putain.
T'imagines? Kakashi a tapé. Sharingan. Tan et Noki. Et c'est finalement Kakashi. Et heureusement. Or... Eh oui. Allons-y, nous saillons. Hello. Hello, Mo. Hello, Mind Turtle. Hello. Hello. Yoshi. Yoshi. C'est des munitions. C'est vrai que les caisses de munitions, on les prend jamais. On en a 3 des caisses de munitions en fait. 3 ? Ouais, genre on en a trouvé 2, déjà reste un point de 3ème. La 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 la. Exotic by. Et Ad Iral. De qui? Pendant que Monsieur Schlim fait des trucs, y'a Ulim qui est tout en haut. C'est pas passé loin ça. Merci. Ah. Du coup, on va à l'avant-poste ou on va d'abord à l'île Mermaid truc mieux. On peut essayer de récupérer tous les crânes hein, d'abord. Ouais. Bah vu que maintenant il y a plus de reaper. Comme ça on monte le grade le plus possible pour le vendre. Par contre T'as fini ça ? Je trouve pas le deuxième coffre. Excuse-moi, je tuais des squelettes voir. Eh Addiction, on va jouer un petit jeu. Mets-toi au Warpon. Je vais sauter. En chargeant avec l'épée, tu vas essayer de me rattraper. Alors, ça m'a considéré comme quoi ça t'a pris. Mais ça t'a pas pris. RP. On essaye. Putain, t'as un squelette là-bas. Oh, tu vas où toi? Au-dessus de sa tête. Et j'ai ripé. D'où je l'ai raté. Bah alors, Exo, on est mauvais? Ça arrive de rater. Hein, tu sais. Ah, il y a un truc là-bas. Ah, c'est une quête que c'est mort. Je vais pas vous en reprendre une, ne vous en faites pas. Alors, Exo. Quoi? On n'essayait plus? De quoi? Ça. Ah! Pendant que Ulim il fait ses trucs. En même temps, si vous veniez me filer un coup de main, ça irait un peu plus vite. Ah bah, moi je demandais un coup de main aussi contre les squelettes, mais bon. Personne n'est venu. D'où t'as demandé un coup de main? Quand t'as demandé un coup de main? Je sais pas, je suis mort au moins 5-6 fois. Ah bah voilà, quand même. Tu vois, t'as pas besoin de nous. J'aurais mis du temps à trouver ce putain de coffre.
T'es... La soyeuse t'est habillée en vaïné, Ulysse. Merci. Non, parce que je prends 20 minutes à trouver ce putain de coffre en arrivant enfin à le déterrer, et là, yoink, putain. Plus de respect. Ah bah non, de toute façon, il y en a jamais eu. C'est quoi le respect? D'abord. C'est vraiment mauvais, Exo. Hein. C'est le fait d'inspect et d'expect. Et puis en fait, c'est du respect. Voilà. Mais le mec, il dit que je suis mauvais alors que je l'ai touché. Bah non, sinon tu t'aurais pas sorti le sable pour l'achever. Attends, il a un dernier coffre. Bah non, parce que maintenant... Trois coups. Non, il meurt en un coup, les cochons. Non. Non, non. Deux coups. Et je te dis que je l'ai touché. Non, tu l'as pas touché. Bien sûr que si, que je l'ai touché. Non, tu l'as pas touché. Mec, je sais très bien ce que j'ai vu. Je sais très bien ce que j'ai vu aussi. J'ai fait un flash coop et je l'ai touché. Alors, TG, admet... Ah, Ulim, j'ai baissé les voiles. Mais j'ai dit, il reste un... Ah bah, remarque... Ouais, mais le coffre, il est de l'autre côté du... C'était un gros coffre ? De la plage. Bah, je sais pas, c'est pour virer cette carte de merde qu'on a eue, que Exo nous a donnée. Où est-ce qu'il va, Exo ? Bah, de l'autre côté de la plage. Voilà, c'est juste là. Non, mais là, on a plein de quilles. Bah, oui. Au moins, je le déterre, et puis selon ce que c'est, on voit. La faute à qui qu'on est à plein de quilles ? Bah, la faute à toi. Non. C'est pas moi qui ai descendu les voiles. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, cette fois c'est pas ta faute. C'est quoi comme coffre? C'est un coffre de merde. Ok, on se casse. Allez-y. M'attendez pas. Tu veux quoi? Tu peux tourner à gauche maintenant? C'est ça? Tu veux tourner à gauche? Ah oui, faut qu'on aille vers le sud. Voilà, on va vers le sud. Exotite, c'est un gros tocard. T'es un serpent qui s'est fait cracher dessus. Enfin, y a un tu sais, t'es pas obligé de prendre ton cas pour une généralité, addiction. Il y a un squelette qui s'est fait cracher dessus par un serpent. Bah ouais, les serpents ils peuvent cracher sur les squelettes. Et ça c'est cool, mon gars. Serpent, bâtard. On est d'accord dans le chat que Exotite c'est un gros tocard. Il est en train de cuire ton cochon, Exo, là. Pas ton cas pour une généralité. Oui, il est en train de cuire mon cochon. Pourquoi? Non, je sais pas, je le vois juste posé dans la poêle, y'a rien qui grille, y'a rien qui crame, donc... Ouais, bah si, moi je le vois Il est juste posé dans le truc. Tu sais pas, okay. Dis juste oui, ça suffira. J'espère. Ne se prononce pas. Et après, il nous restera une île. Après. Ouais. Une île. On est grade 3, je pense qu'on devrait passer facile. Grade 4, grade 5, je sais pas, j'ai le doute. Je pense pas à grade 5. Après qu'on refasse une mission et après une fois qu'on est grade 5 faire la mission. Ouais non. Fais voir, je suis déjà réputation combien pour l'ordre des âmes. Ah il faut que. D'accord, ok, faut vendre pour arriver à avoir des valeurs. Alors collectionneur d'or. Encore maraudeur. Oh, on est en faucheuse, on est con. Je suis combien? Ah, je suis gardien, oh, ça va. Et en marchant.
Ouais, ça va, j'ai le rang 3 pour tous, ben, sauf le... Sauf celui-là. Voilà. Voilà, mais c'est qu'il y a du squelette. T'as vu ça, mec? Putain. Ah, j'ai touché le squelette et pas le baril, quoi. C'est le squelette en or. Il vient dans l'eau. C'est ça que tu voulais faire? Ouais. J'aime bien qu'il y avait un truc qui brillait là-bas, là. Là-bas, là-bas, là. Love ou lava? Love, lava. Love, lava. Lim, t'es poursuivi par plein de squelettes d'ombre. Effectivement. Et le jour n'est pas encore tout à fait levé. Pourquoi ça passe à travers? Love, lava. Love, lava. Putain, les balles, elles ont atterri à côté du bateau, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bibelot. J'ai trouvé un bibelot. D'ailleurs, le pouvoir de Love Lover, Love Lava, c'est bien, mais c'est un peu de la merde, en fait. Disons que c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Ça fait le taf, mais voilà. Bah, ça fait le café. Mais malheureusement, s'il y a personne pour le boire. Ouais, voilà, c'est l'idée. C'est l'idée, quoi, tu vois. Ouais, ça fait le café, mais s'il y a personne pour le boire, bah t'es dans la merde. Attention, baril. Où ça? Bah là. Moi, je vais faire la carte vite fait. Je pense que on a plusieurs squelettes à tuer ici. Pourquoi j'ai encore la musique? Ah, peut-être pour ça. C'est parce qu'on est passé grade 4. Je crois. Non, mais la musique. Il y a autre chose. Ah, il y a un autre capitaine. Ouais, je crois. Ouais, il y a deux capitaines ici. Ok. Bah tiens, Exo, je te laisse harponner ça. 50 balles. Voix du grimpeur vers les tunnels sous-marins aussi, cette connerie. Oh, on n'a pas trop de crâne. Un peu. Ah. On a pas trop une lumière verte qui sort et qui fait ah gros. C'est la dernière map? Non, c'est l'avant-dernière. Ah, la dernière, j'ai un baril de poudre, je le ramène ou je le hit? Baril de poudre, j'aimerais bien que tu viennes le hit dans les squelettes en or là. Ah. J'arrive. Bon, en fait, toujours pas de Reaper. Ah, tant mieux. Ils sont où? Mais non. De l'autre côté. T'as les tireurs qui sont de l'autre côté. Ah là, je vois. Si t'avais un alter, t'aurais voulu un alter similaire. À moins que. Non, c'est bon. Bien joué, monsieur Schlim. C'est moi qui ai tiré dessus. Désolé de. Ouais, parce que je crois au moment où je l'ai posé, j'ai dû le désarmer. T'as dû l'étendre. Crève. Ouais, mais c'est bien mignon, mais quand t'es tout seul face à des gros méchants, bah tu l'as dans le cul en fait. Ouais, mais justement, c'est. Ah! J'ai perdu mon casque. C'est pour ça que là-bas, elle était accompagnée de quelqu'un qui était plutôt fort. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de base, elle se retrouvait toute seule. Et, ah oui, toute seule, elle fait pas grand chose. Hein. Voilà, toute seule, elle fait rien du tout quoi. Mais moi, je dis, on va la revoir. Si tu veux.
si tu veux te faire des ennemis au canon, tu peux. Excusez-moi, je me balade, je cherche le point indiqué par la carte. La voie du grimpeur vers les tunnels sous-marins. Bien joué. C'est doux. Ouais. Alors, un squelette en or. Le boss, c'est un squelette en or. Exo. 50 balles. J'en ai un autre baril. Hein. Oh, j'ai plus de boulot, moi. Limite tempo et puis j'arrive avec le baril. Ah bah c'est bon. C'est bon ? Ouais. La puissance des boulets. Il y a une sirène. Comment c'est une sirène? Une statue. Oui, il y aurait une sirène. C'est une sirène de toi. Quoi? C'est une sirène verte. Elle est profonde, cette pute. Ah, mais sous l'eau, c'est une vraie merde et ça vaut pas spécialement. Ça monte pas mal la répute quand même, mais bon. Bah tu sais quoi Ulim, le baril on va l'utiliser pour la sirène non? On peut. Bah va falloir que tu te sacrifies. Ou sinon ah, je pense. Sinon tiens, donnez à moi, je m'en occupe. Laissez-moi mon riz. Non c'est bon j'y vais. Je viendrai avec toi dans le. Oh putain Ulim je vois sous ta jupe. Oh, ah, écarte-toi Exo. Ma jupe. Exo écarte-toi. Adieu non, les je amis. Mourrai avec Ulim. Non, meurs pas, bâtard. Ça a oui, rien mais... fait. Ça a fait que dalle. Bah oui, mais la bande de cons. Enfin, Exo, t'es chiant quoi. T'es sûr que je la passe la sirène du coup. Je t'ai dit, je voulais mourir avec Ulim. Bah oui, mais non, mais c'est pas. Et alors, je l'ai eu. Dit le contraire. Kong Zotit. Ah ça c'est sûr hein, putain. Je n'ai jamais dit le contraire. Labo là-bas. Oui mais comme tu l'as dit Estelle, un sacrifice est nécessaire, pas deux. Oui. Et alors? C'est pas dérangeant que deux se sacrifient pour rien. Bah si. Du coup, bah, dernière île, pas des moindres. J'aimerais bien quand même trouver cette connerie de coffre parce que ça me. Là, je vais pas arriver à dormir sinon. Ah, carrément. La voie du grimpeur vers les tunnels sous-marins. Mais oui, mais c'est où? Les tunnels sous-marins, j'en ai trouvé, mais j'ai pas trouvé la voie du grimpeur. Alors là, je peux pas te dire. Bah ouais, je mate. Toutes les occasions sont bonnes pour mater, Steph. Absolument toutes. Putain, ce stock de planches. Je fous. Oh la vache. Là, bout là-bas. Je sens que je vais sortir la carte interactive et puis... Carte interactive. Ouais, je vais faire ça. Une carte interactive. Ouais, sur internet. Oh. Ouais, mais après, Ulim, ça fait bientôt 2 heures de stream. Exo, il a l'air crevé. Tu es toujours crevé, moi, ça ouais, change pas. Je cherche vite fait, je fais vite. C'est pour ça la carte interactive, pour pas me faire chier. Quoi. Par pop dans les bidons vu que je les avais fait seul.
petite dame. Une dame. Tu peux pas monter. Ah si. Tiens la mouette. Ok, je crois que j'ai trouvé la position, c'était pas du tout là où je cherchais, très bien. On peut pas shooter les mouettes. Non, c'est dommage. Dommage parce que cette balle était pas passée loin. Mouette. Oh. Celle-là a touché, désolé. Ah, salut messieurs. L'endroit. Alors, vu qu'on a tiré en même temps, ouais. Je sais pas qui a tué qui, hein, maintenant. Je sais pas, t'as tué le premier, j'ai tué le deuxième, je crois. Les tuer les poissons par balle. Ouais. Bonne chance pour apporter une mouette. Mais laisse-moi faire des choses. Théoriquement, quand on était petit, avec un pote à moi, on allait souvent pêcher. Et lui, il avait des hameçons à thon. Et on mettait des sardines sur l'hameçon à thon. Et on jetait la ligne et il y avait toujours un goël qui passait pour choper la sardine et du coup bah on a inventé la pêche au goéland. Moi, c'est génial. Moi au Québec c'était ma mère qui avait pêché une mouette. Oh, une part du diable. Qui avait pêché une mouette sans faire exprès. On faisait de la pêche. Et elle a chopé une mouette. Voilà. Ouais, parce que quand tu jettes le poisson, bah eux ils pensent que un poisson nickel au top, il vole. Non mais clairement la mouette c'est ça, c'est oh un poisson qui vole. À moi. À moi. Oh non. Mine. Putain c'est vrai qu'en VO ça doit être débile. Mine. Ah d'accord, donc ce mine, ça vient de Nemo. Oui. D'accord, très bien. Bah ça paraît logique, non? Tu vas te détendre toi, hein. Barbossa Eco Plus. Là. Sud-est, si on va faire la dernière île. Let's do this. Bah ce qu'il y a c'est que moi je l'ai entendu plusieurs fois dans des montages le mine. Et du coup j'entends la scène. D'accord, donc ça vient de là. Sucabria. Putain, les squelettes sur l'île ils perdent jamais le nord, hein, putain. Pas le nord. Techniquement là on va au sud. Eh hey, attends, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Il est où ? Là. Oh, une part du diable. Moi j'ai trouvé un bidule. Il est là. Ah ouais, mets-le dans le coffre aussi, le bidule. Oh, il a trouvé un bidule. Je me demande ce que ça donne la chanson des... comment ça s'appelle ? Des vautours dans l'âge de glace 2 en anglais. Go regarder les Disney en VO. Alors l'âge de glace c'est pas en VO. C'est pas un Disney. Quand je dis ça. Mais par contre, ils sont sur Disney+.
Ouais. Mais moi je dois le choper Disney Plus, mon frère l'a pris et qu'il me le passe. Comme je vais filer Netflix. Un échange de bons procédés. Sachant que soi-disant tout le monde me disait ouais t'inquiète on va te passer des sous. J'en ai toujours pas vu la couleur. Parce que la Fox c'est ça, ouais c'est ça. Ouais mais Disney ils ont acheté la Fox. Oui. Vous savez. Putain Disney ils ont tout racheté, c'est pas pareil. C'est vrai que bientôt ouais, ils vont racheter bien. DreamWorks. Alors ça m'étonnerait. Pendant pas longtemps, Disney va racheter. Ouais, enfin, ils ont racheté Marvel, oui. Ils ont racheté la Fox, ils ont acheté les Simpsons, du coup. Grave. Donc bon. Pour ma part, je trouve que c'est un gros problème. Mais bon, c'est bien que tout soit relié, mais. Vas-y, laissez des trucs, sérieux. Ça crée une situation de monopole, c'est pas ouf. Bah c'est ça. Vas-y, après ils vont prendre quoi? C'est le même problème qu'avec Epic Games, hein. Ils payent pour avoir l'exclusivité. Oui, je reviens avec tout à Epic Games, mais je m'en bats les couilles, j'aime pas cette entreprise. Bah c'est le principe de l'entreprise que t'aimes pas spécialement. Ouais. Après, bon... Bah théoriquement, Netflix, ils font ça aussi, hein. Si tu vas dans ce sens. Netflix, bah, pas exactement, dépend. Parce que les séries originales, c'est finance la création de la série. Attends, c'est parce que c'est à celle-là qu'on doit s'arrêter ? Non. Ah, c'est une merde, je croyais qu'on était arrivé, c'est pour ça que j'avais commencé. Netflix, ils financent la création des séries et des films. Là où Epic Games, tout ce qu'ils font, c'est ils voient, toi, t'as bientôt fini ton jeu, tiens, je te paye et tu viens chez moi. C'est ça. Et encore, même les jeux... Autres jeux, ils sont obligés d'offrir des jeux gratos et des gros jeux gratos pour que les gens viennent. T'imagines ? Genre GTA V. Civilisation, GTA, il y a quoi d'autre ? Civ 6, pardon. Ouais. Non, mais c'est... C'est du gros nawak, hein. Clairement. C'est la politique en eux-mêmes. À chaque fois que t'expliques ça aux gens, ils te font... Ouais, alors, je vois pas le problème. Parce que j'ai gratuit. Non, mais même pas ça, mais tu vois pas le problème. Mais moi, j'ai souvent cette argumentation à côté. De quoi ? Bah, qui vénère Epic Games parce que jeu gratuit. Et Steam aussi, des fois, ils mettent des jeux gratos, mais bon, c'est pas ouf. Hein. Oui, mais c'est ça. Et puis les mecs qui viennent me dire « Ouais, mais toi, t'es un pro Steam. » Si Steam font la même chose, j'approuve pas. Hein. Ah, c'est ça, c'est le principe en fait. Maintenant que je me suis engagé, j'ai beaucoup trop de jeux sur Steam. Je peux pas me permettre de dire allez, c'est bon, on nique sa mère, je supprime mon compte. Ouais, ou même boycott Steam, machin et tout. Ok, mais oui, je suis d'accord. Il y a certaines politiques. Non, mais tu fais bien, Estelle, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste les mecs qui vénèrent vraiment. Et le truc, les jeux gratuits encore c'est différent. C'est-à-dire que un jeu gratuit, vas-y, va le récupérer, c'est gratuit, c'est donné, on s'en branle, c'est pas le souci. Le gros souci, c'est la politique du fait que les gens de chez Epic disent comme ça aux mecs qui font les jeux, bah vous avez bientôt fini, comme le disait Ulim, on vous paye et vous nous donnez l'exclu du jeu pendant 6 mois, voilà, comme ils ont fait pour Borderlands 3. Par exemple. Ah ça, Ulim, il a eu mauvaise. Hein. Beaucoup de jeux. Bah, bien sûr qu'il l'a eu mauvaise. Ça m'a fait rager. Sans bah, regarde, moi avec Maniteur. Au final, je regrette pas d'avoir attendu. Oui, voilà, Maniteur par exemple, aussi. Voilà. Maniteur, maintenant. Regarde avec Satisfactory. Satisfactory, il devrait pas tarder. Ah ouais, ouais. Tu sais que. En voyant du gameplay et tout de Maniteur, bah, c'est cool, hein, mais. Tu vois, je suis plus hype par Satisfactory que par Maniteur maintenant. Si t'es hype par Satisfactory, faut que tu regardes Factorio. Les mecs, non. Oh ouais, non, mais c'était prévu. Il y a plein de bidons. De barils. Il y a une quête au milieu, on va pas la prendre. Ouais, Factorio, c'est un peu dans le même style, apparemment, où tu prépares des chaînes de production. Et tout.
Voilà, il y a du poulet, il y a du cochon. Il m'a donné envie. Là. Putain, il y a du truc déjà cuit. Hein. Ouais, t'as vu, c'est cool. Ah, bien. Mais voilà, ouais, la politique de Epic est un peu relou. Parce que. Mais surtout, moi, fait que... surtout ce qui me fait chier, c'est les exclus PC, quoi. Putain. D'où il y a des exclus PC, quoi. Tu vois, c'est pas le perso Epic, c'est pas le problème d'avoir plusieurs launchers. Hein. J'en ai bien 300 millions de launchers, que ce soit Bethesda, que ce soit. Oui, Rockstar. Uplay, que ce soit Non, Rockstar, j'ai. Moi, j'ai Rockstar. Voilà. Mais que ce soit Uplay, que ce soit Origin, que ce soit machin mes couilles, voilà. C'est pas le problème d'avoir 30 millions de launchers, c'est vraiment le problème. Que... Alors, Ulim, comment j'ai fait 0 dégâts. Ouais, mais j'ai fait péter le connard avec un. Qui brille là tout à l'heure, tu vois, par exemple Civilization 6, je sais que c'est un jeu que je jouerai tellement jamais, du coup je me suis pas permis d'aller le chercher. Après, je sais même pas comment GTA fonctionnerait, comment il vient en sorte que tu le récupères, le jeu. Est-ce qu'il fallait à chaque fois que tu passes par Epic pour le lancer une ou clé... que... Oui, oui, de toute façon, il faut passer par Epic. C'est nécessaire. C'est sûr, c'est clair. Non, parce que c'est... vu que maintenant ils ont leur propre launcher Rockstar. Bah, regarde, bah, tu lis ton compte Epic à ton compte Steam à ton compte Rockstar. C'est tout. Non, mais surtout, tu regardes pour Uno. Quand on lance, ça va bien sur le launcher Uplay. Oui. Il y a un coffre trésor vide, comme ça on pourra trimballer des crânes. Ils ont des serveurs à part, apparemment, ça évite des serveurs sur BQ. C'est. Putain, les deux boss, c'est des squelettes en or, les mecs. RT. J'ai pas le Saint-Feu. Oh, si, j'ai du Saint-Feu. Tiens, recule. Oh, mais attends, qui sort de l'eau. Non, mais c'est des boulets de chaos. Hein? Boulets du chaos. Ça va aider un petit peu déjà. Bon, est-ce que je nous attire le mauvais œil? Non. Ok. Si vous faire le con. Qui, moi? Ouais. Non, je voulais juste dire un truc du genre. Ah, c'est cool! Depuis qu'on a changé de serveur, on s'est toujours pas fait attaquer, on a croisé encore personne. C'est vraiment sympa pour pouvoir finir cette putain de quête. Pourquoi t'as fait ça? Voilà. Maintenant, on laisse place au karma. C'est vraiment enculé. Hein. Alors on va voir si la légende est vraie. C'était la dernière quête. En vrai, on est à la limite de passer grade 5. Hein. Il nous reste beaucoup. Yo, je t'ai terminé. La moitié du niveau pour passer grade 5 et pour vendre du coup au maximum. Ah, c'est mon crâne que t'as chopé. Il manque pas grand chose. Putain. Voyage terminé. Mais je pense on va aller à mon poste, on va finir le live. Ouais, ça fera quelques sous, ça fera quelques points. Je pense que faut voir combien ça te fera, mais tu devrais pouvoir avoir assez pour la voile. Voilà. C'est vrai qu'on a pas mal de merde quand même. Hein. Alors c'est où qu'il faut aller maintenant? Ah bah c'est tout droit là.
Un peu à bas bord, monsieur Schlim. Non mais je sais, je zigzag. Tu zigzougues. Zigzaton. Le passage est fin. Passage est fin. Quoi, on a dit quoi? On a parlé de bouffe? Tadakimasu. Ah. Ah. T'as dit tadakimasu. Non mais ça c'est la faute à l'addiction. Itadakimasu. On passe proche hein. Oui, ça passe. C'est stylé. En vrai, le set obsidien est vraiment beau. Hein. Elle est loin la flotte fantôme ou pas? Ouais. Ouais. Si on était plus près, elle serait beaucoup plus proche. Désolé, monsieur Grosbidon. Monsieur Grosbidon. Parce qu'en vrai, faire la flotte fantôme, on pourrait passer 25. À 8 après, ça veut dire passer encore une demi-heure. Ouais. Ouais, et puis potentiellement tout perdre parce que on aurait deux galions sur la gueule. C'est pas faux. Alors, c'est où l'avant-poste? C'est juste là. Ah, ok. Le pont est à gauche. Là, à gauche. Tournez. Bah, je m'en occupe. Faut mettre la voilure. Relever les voiles. Salut Dini. Bravo, tu arrives à la fin du stream. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin du stream. Grave. Toujours. Justement, nos lives, on les finit à 23h30 à peu près. On les commence pas à 23h30, voyons. T'as pas lâché un peu trop tôt, là? Bon, ça va. On aurait pu se coller au bordel, hein. Ouais, là, j'y allais pour me coller, hein. Et vous, je commence à charger le coffre. Voilà. On en a plusieurs des coffres. Non, on est bon. On en a deux des coffres trésors. Il y en a un qui est plein de bibelots, il y en a un qui est plein de crènes. Oula, non, je veux pas poser la. Vous vendez d'abord les bibelots et tout avant de. J'ai vendu les bibelots d'abord, comme ça on peut vendre les crènes après. Non, mais il y a deux coffres au trésor donc. Bon, c'est pas grave, j'ai posé pour la fable alors que je voulais pas la faire, mais c'est pas grave. Ce mini-jeu de l'enfer. Putain, je suis à presque à 300 000 de thunes. Putain, les sous. Je suis à 300 000 de thunes. Je suis à 54 000. Ça monte lentement, mais ça descend vite. Pas à bourse, hein. The fuck, je l'ai posé. Attends. Putain, selon où tu le poses, ça fait un bruit différent. Y'a plus rien ? Y'a plus rien. Juste un coffre de merde, mais. Bah, un golem, ça fait toujours quelques sous. Mais normalement, y'a plus rien. Une petite session quand même. Et le karma nous est pas venu sur la gueule. Oui, bah en même temps pour le peu qu'on avait à faire. On baisse le pavillon, du coup. Ouais.
Bon, de toute façon, j'allais m'arrêter là. Oh, j'ai eu de la réputation Athéna, moi. Bon, tant mieux. Y'a rien d'autre à vendre sur le bateau, si, coffre de munitions. Ça se vend, ça? Oui. Wow. Coffre de munitions, non, je suis pas sûr. Si. Si. Y'a que les caisses de stockage qui se vendent pas. Ouais, là, il y a une caisse de bois. Ah, c'est bon, vous avez abaissé le pavillon. Ok. Caisse de munitions, faut qu'elle soit. Attendez, si, on a encore un truc. Qui est sur le mât. Ah, oui. Je le cherchais. Oui. C'est bon. Alors, fais voir, réputation, du coup. André des âmes. Carnet d'émissaire, et ben mercenaire, et j'ai pas le chef. Tant pis. Après, on peut rejouer avant que ce soit fini. Hein. Attends, là sur cette session, j'ai fait 63 360 et il faut que je fasse encore 64 770. Bon, j'imagine aller 65 000 à demain pour passer le rang suivant. En vrai, ça peut se faire hein. Demain, faire une session et puis. Ouais, tu fais... demain on fera une petite session et puis voilà. On verra bien. Bref, voilà. Valeur d'émissaire, c'est fou que je. Ah ouais, je suis vraiment pas loin quoi. Il te manque combien pour l'ordre des âmes? À peine 20 000. Oh oui, donc si on fait une session demain, tranquille. À peine 20 000 et je pourrai avoir les voiles. Nice. Nice. Bon, et si on finit cette session un peu différemment d'habitude, c'est-à-dire en ne faisant pas brûler le navire. Peu importe, ça va Ulim. J'ai vu que tu t'étais bloqué sur le truc. En vrai. Bon, on peut laisser le beau bateau comme il est, en obsidienne, il est tout beau. Bah oui. Il est vraiment beau ce set qu'ils ont donné là. Attends, Exo qui aime bien le vert en plus, ça devrait lui plaire. De le bateau. On déploie les voiles, comme ça on le voit mieux. Regardez comme il est beau ce bateau. Magnifique. C'est un beau navire. Attends. Rochant qu'ils vont brûler le bateau. Non, Ulim veut pas qu'on le brûle, on va pas le brûler. Non, d'habitude. Vous faites bien ce que vous voulez, mais moi c'est bon, flemme. Ce qu'on va brûler, c'est exotique. Il a l'air tellement déçu. Oups. C'est un beau navire. C'est un beau bateau. Voilà. Voilà. Là-bas. Bon, et bah sur ce, j'ai été me chercher une pinte, hein. Parce que je vois qu'on m'a brûlé, alors moi je vais boire. Voilà. Je bois à ta santé, monsieur Tite. Et puis, faites que l'avenir soit radieux pour monsieur Schlim. Monsieur Xo. Et pas toi. Et pas moi. Moi je me bourre la gueule. Parce que toi tu veux être de la mousse. Moi je veux être de la mousse. Comme Ulim veut devenir de la mousse. De la mousse de grog. C'est pas l'homme qui vomit par terre. C'est le parterre qui vomit sur l'homme. Moi le vomi il m'a pris et puis tant pis. Je vais devoir faire un truc pour remonter vers vous. Addictio, faut que tu viennes voir. Attends. Ah, j'arrive pas à marcher. Ah, gueule. Ah,
Mon numéro de cascadeur. Attends, attends, faut que je monte. Attends. Plouf. Alors Exo, c'est pas marché droit? Attends, je dois boire un peu plus. Parce que je suis pas assez peinté. C'est pas le grog qui remplit les verres. C'est le verre qui remplit le grog. Moi le grog, je l'ai bu. Et il n'y en a plus. C'est la chanson des pirates, oui monsieur. Je bois, je frappe et je vole. Jusqu'à plus soif. C'est un truc de ouf. Ouais. Ils vont jusqu'à l'ivresse. Je dédicace ce verre. Où sont les païennes? À Estelle. Non, j'ai dit où sont les païennes. Oh putain. J'arrive à siffler faux. C'est fort. Oh, elle est machiavélique cette musique. Wow. Putain, ça y est, carte, on commence à vomir. T'as dégueulé sur la carte. Oh putain, c'est qui m'a jamais dit. Je comprends rien. Oh, j'ai cherché du grog. C'est ultra chelou comme musique. Oh, bah je trouve normal. C'est la musique Athéna, non? Non. Oh, va chercher la musique Athéna en étant bourré. Attends, j'arrive pas à monter. Attends, je vais reprendre une chope. Marc, je vais m'emplir la chope directement. Directement sur place. Putain, la musique Athéna bourrée, ça doit être quelque chose. Attends. Et moi, remplis ma chope. Merci. Vous l'avez pris? Oui. Je pourrais me bourrer la gueule. Toi, remplir ma chope. Toi, remplir ma chope. Le schnapps. Toi, remplir ma chope. C'est bon, hein, c'est bon, t'as assez là. Jamais. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence. On peut pas la jouer bourrée. Attends. Je suis sûr qu'on peut pas la jouer bourrée. Si tu la commences du début, en étant bourrée. Voilà. Ça y est. On peut pas la jouer bourrée. Ok. Putain, mais c'est stylé. Ah putain, c'est bien ça. Ça. Là, tu vas voir un équipage qui va débarquer. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils gerbent dessus. Attends, arrête. Attends, arrêtez la musique Athéna. Ouais, allez. Au revoir chat. Au revoir chat. Bonjour chat, au revoir chat. Voilà, le live ne finira jamais. C'est marrant, le tambour, je joue pas faux. Attends.
Ah putain, y'a quelqu'un qui m'a jarné dessus. Je crois que c'est moi. Ah bah je suis sobre. Bon, sur ce les mecs. Mais est-ce que t'es bourré? Oh putain, mais arrête de me charmer dessus, toi, je vois que dalle. Le pire, c'est que le vomi, ça reste longtemps, quoi. Eh, t'as vu, on fait la... On fait la paire avec un billet pareil. Je suis bourré, voilà. Je suis sobre. Bon, allez, sur ce, messieurs, merci. Et puis des bisous, tout le monde, et à mardi. Des bisous. J'aurais bien voulu te gerber dessus avant la fin. Enfouir. Enfouir.